voilà, avec la suite The Hall chez Krukenbite avec Gigans. Qu'as-tu trouvé, Gigans? Alors, ici, moi j'ai trouvé du washi tape. C'est au départ Zabel Dream qui m'avait montré exactement ce que c'était. Par contre, faire très attention parce que c'est très transparent, c'est comme du papier collant juste avec des motifs, hein, donc je vous montre comme ça. Mais c'est extrêmement transparent, j'ai essayé sur le DNI avec le miroir. Et ici, j'ai pu remarquer que la lumière passant au travers, on voyait toutes les imperfections. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé un petit coffret. Ce sont des petits coffrets que je vais offrir, évidemment. Alors, il y a le Body Mist et un Lip Gloss. Voilà. C'est un petit coffret qui se présente comme ceci. Donc, on a le Body Milk et le Lip Gloss juste ici. Je n'ouvre pas les paquets vu que c'est à offrir, mais malheureusement. Voilà. Je trouvais ça assez mignon. C'est joli pour offrir. Voilà. Allez, à toi. Alors, ça c'est toi qui as pris, mais en fait ce sont des pastilles pour le bain effervescentes à la senteur lavande. Alors il y en a 6 dans la boîte. Oui, elles sont en forme de cœur. C'est tout mignon. C'est tout mimi. Moi ça m'a toujours fait rire ces choses-là parce que c'est en forme de cœur, en forme de poire, de pomme, enfin de tout ce qu'on veut. Hein, mais c'est censé être effervescent, donc on les met dans le bain, ça, c'est effervescent. Donc la forme, elle a très peu d'importance à ce moment-là. Oui, 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 c'est sûr. Mais c'est toujours bien mignon. Dans un pot, etc. pour présenter. Alors ensuite, j'ai trouvé un petit coffret pour chouchouter les pieds. Pour se chouchouter les pieds. N'essayerai avec moi. Pourquoi pas? Non, c'était une blague. Donc le coffret, franchement, le packaging, il est super beau. Comme vous pouvez voir, franchement, waouh. Vraiment Noël, hein, vraiment superbe. Alors on a une petite paire de chaussettes qu'on peut sentir parce qu'il y a un petit trou, on peut vraiment la sentir. Alors c'est ici doux. Sur le côté, ouais. Oui c'est tout douce. Hein. Mais on va les ouvrir, hein, c'est pour moi ça. Donc, c'est tout doux. Alors on a une petite paire de chaussettes. Ici on a des selles au goût de pudding. On va voir. Pour manger les pieds, ça. Ah, c'est vrai, pourquoi pas. Et une lotion au marshmallow. Ça a l'air franchement très très gourmand. Ça a l'air assez sympa. En fait, j'ai pas compris. En fait, tu fous la lotion puis tu mets des chaussettes. Oui. C'est pour. Tu fais. Oui, tu laves tes pieds d'abord. Oui, évidemment, oui. Tu fais un bas de pied et alors quand tu as fini ton bas de pied, tu mets. Ta lotion au marshmallow et pour avoir bien chaud en hiver on met des petites chaussettes. C'est bien, tu me feras soigner les pieds. Pourquoi pas avec la râpe à fromage, moi je dis. Mais c'est joli même pour offrir, hein. Vraiment, le packaging est superbe. Il est superbe, hein. Franchement c'est joli comme tout. Je sais pas comment l'ouvrir. Là tu veux l'ouvrir maintenant? Bah, tu veux présenter ou... Bah non, je ne comptais pas spécialement l'ouvrir maintenant vu que tu vas faire un tuto sur... Bah, je ne fais pas un tuto sur ça. Oui, mais un crash test quoi. Non. Ah, bah oui, oula. Alors... Ça c'est embêtant, on oublie chaque fois de prendre des ciseaux, Williams. Le petit ruban est tout mignon en plus, franchement. Hein, c'est mini comme tout, avec la petite maison. Donc voilà. Alors ici. Je ne veux pas ouvrir la boîte. Alors, on a les petites chaussettes qui sont vraiment toutes douces, toutes mignonnes. Hein, sont mamées. Sont vraiment toutes mignonnes, je sais pas si vous les voyez. C'est doux à souhait, vraiment. On peut vraiment, quand on met les petits pieds, ses pieds, ça va être vraiment très très doux, ça, Gugas. C'est vraiment doux, doux, doux. C'est mignon, ça rappelle. C'est le carton dur. Qui est dedans. C'est pour garder la forme quand tu mets dans un packaging.
Donc voilà, c'est vraiment tout doux, tout mignon. Ça sent bon, c'est pas désagréable à l'odeur. Et alors, on a les petits sels de bain qui sont évidemment bien fermés, mais ils doivent sentir le pudding. Évidemment. Il ne sortira comme... pas à travers le plastique. Non, je ne crois pas, mais regardez, voilà. Ouais, c'est des sels de bain. La boîte et les petits sels de bain. Il fait un micro trou. Ouf, tu veux. Ça sent le pudding ? Non, pas le pudding. Ah si ? Oui, c'est ça, le pudding. Ah oui, ça sent vraiment. T'es allé montrer à la caméra en disant ils vont sortir. Oui, c'est ça, oui. Non. On est encore là. Ah, ça sent vraiment le pudding, vraiment. Ah, c'est génial. Et c'est le Beautycology. Plume pudding. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est joli comme tout. Et ensuite, on a la lotion pour les pieds au marshmallow. Il y a une petite pastille. Et ça sent le marshmallow. Dans la noquette qui va tomber. Et voilà, c'était pour le petit coffret Beautycology. Voilà. Ben voilà, on est tombé sur une bougie de 7 cm dans les tons de gris. Hein, donc voilà la bougie. Ben, c'est un effet marbré. C'est beau. Hein. Bon, en même temps, il y a le plastique. Il y a le genre de rhudoïde. Là. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien ou si elle fait beaucoup de reflets, peut-être. Ça va encore. Ça va encore. Donc voilà, une petite bougie comme ça, sympa. Elles ne sont pas parfumées. Enfin, elles n'ont pas. Comme ça, elles ne sont pas parfumées. Peut-être en brûlant, on verra bien. Ouais, voilà. Alors ensuite, moi je suis tombée sur un petit coffret encore. C'est encore à offrir, donc je ne l'ouvrirai pas non plus. C'est le Rose Scented Diva. Désolé, il est tard, donc je m'arrête un peu. Oui, il est un peu tard. Diva and Nails. Donc ici, nous avons la lotion pour les mains et une jolie petite lime toute pailletée, vraiment toute mignonne. De style gold, voilà, je trouve ça vraiment mignon pour un petit cadeau, voilà. Avec un peu un effet panthère. Un effet panthère gold, très joli. Donc, bon, je vais les ouvrir, c'est plus simple. On est tombé sur un set de 3, je veux pas parler de boules de Noël cette fois-ci, hein, parce que nous on parle des boules. Ce sont des suspensions, on va dire ça comme ça. Pour mettre dans le sapin ou sur, sur le thème de Noël, on va dire comme ça. par contre, elle colle ensemble ou alors ils sont. Voilà. Voilà. En forme de bonbon en fait. Ouais, voilà. Toute mignonne. Je trouve ça trop mimi. Ça donnerait presque envie de l'ouvrir. Bon, à mon avis, si je le fais, je la casse. Je crois aussi, oui. Donc voilà, c'est pour 1,49€, c'est pas cher. Et le fil est avec. Oui, il est compris dedans. Donc voilà. Alors, moi j'ai trouvé le coffret Catrice Cosmétique. Il est à 14,99€. C'est vraiment peu. Il est. Voilà. Oui. Après, on t'explique si tu veux. Oui, oui. Il est comme ceci. Et alors, dedans, on a plusieurs articles. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'articles. Pour le petit coffret que c'est, vraiment, il y a beaucoup d'articles. Comme je vous ai dit, je ferai une revue. Eh bien, ça, si tu veux, je le montre. Oui. Donc ça, c'est la palette Catrice de Ultimate Cosmétiques, c'est ça? Je pense. Oui. Ultimate Chrome. Chrome. Ultimate Chrome, pardon. Donc voilà. Il y a plusieurs tons, je vous ferai une revue de toute façon. Là, on a un blush. Et le nom, c'est le Light Shadow Blush Contouring Blush. Voilà. Alors là, on a le All Round Contouring Palette de Créatrice Cosmétique. Pareil. Donc voilà, c'est une palette de contouring. Alors. Ensuite, on a un Ricil, je crois. C'est là ça.
C'est un reseal, donc c'est le Lash Dress Comb Mascara Volume and Length de la marque Catrice, toujours évidemment vu que c'est le coffret. Voilà, et la brosse se présente comme ceci. Voilà, j'aime assez bien ce genre de brosse par rapport à aux brosses rondes. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus elles prennent bien le cil, elles sont bien. Et ça, c'est le ombre. Donc ça, c'est un oui ombre, le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres en stick. Ça devient, c'est vrai que on n'en porte plus des masses, mais alors la particularité de ce rouge à lèvres, c'est qu'il est bicolore. Je sais pas si on le voit, mais franchement. Ouais, ouais, on le voit. Et le packaging. Il est carré. Le packaging est tout mignon, vraiment carré. Mais c'est bien, ça pour aller dans les couets. Voilà. C'est pas mal du tout. Pour aller dans les couets. Dans les couets. Pour aller dans les plis. Voilà. Two Tone Ombre Catrice. Voilà. Ah, mais il y en a encore un autre. Non, c'est pas un rouge à lèvres. Cover Stick. Voilà. Ça, c'est, on va dire, un correcteur. Camouflage Coverage Long Lasting All Run Cover Stick de chez Catrice. Donc voilà, c'est. Ah, ça, c'est encore pour eux. Et tu... C'est pour mettre tous la même fois? La même fois. Ben, le rouge à lèvres. Ah, ça, c'est ouais. Complet, hein, c'est vraiment. Non, non, mais c'est pas pour le même maquillage, quoi. Ah, si. Hein. Du rouge avec ça? C'est un. Non, tu n'as pas compris. Ça, c'est pour camoufler. Donc des boutons, des taches de vieillesse. Pour camoufler, je ne sais pas moi. Enfin, souvent des boutons en général. Une rougeur aussi, éventuellement. Donc voilà. Je sais pas si vous le voyez correctement. Puis t'as le Velvet Matte Lip Cream. Ah oui, donc ça, le Velvet Matte Lip Cream, c'est un. Cream. C'est un. Cream. Cream. Pardon. Cream. It's a cream. Donc c'est. Voilà. Il est comme ça. Comme ceci. Oh, Red Cream. C'est une petite brosse, une petite brosse. Marvelous. Une petite brosse. Brossette. Oui. Un petit clin d'œil à notre ami Benoît. Oui. Velvet matte, voilà. Et en fait, c'est un rouge à lèvres liquide, mat. Non, ça remet au-dessus du rouge à lèvres, si je comprends bien. Non, c'est un rouge à lèvres liquide. Tu peux le mettre soit avec le rouge à lèvres. Ah bah oui. Soit tu peux le mettre tout seul. Rire, tout seul, pas de souci. Carrément, jusqu'au bout des ongles, moi je vous le dis. Alors voilà, là on est arrivé au petit vernis Catrice que je recommande. J'en ai trois, je pense, des vernis Catrice. Et je les recommande vraiment parce qu'ils ne bougent pas, ils sont bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc vous voyez tous les produits que j'ai ici. On a aussi un petit feuillet explicatif reprenant la liste de tous les ingrédients des produits pour ceux qui ont des allergènes, etc. C'est encore voilà, pas mal. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée. Je vais vous présenter. Voilà. Donc, comme je vous ai bien expliqué, je ferai une revue dans les jours qui suivent de ce coffret qui, pour moi, pour le petit coffret Catrice, à 14,99€. C'est vraiment pas cher et c'est intéressant. Si on veut faire un petit cadeau, quelque chose comme ça. Ben voilà, on va passer au dernier haul. C'est le haul Dee. Moi, Dee, c'est un magasin que je connais depuis très longtemps. Ici en Belgique, on a ça depuis vraiment très très longtemps. Et j'ai trouvé à moins 20% des magnifiques pinceaux. Pinceau style licorne. Je les trouve, mais alors vraiment trop beau. Trop. Franchement. Et alors, bon, je vous mettrai les prix en dessous parce que chacun a un prix différent. Donc, je vous mettrai les prix en dessous. Ils sont doux. Ils sont vraiment doux. Hein. Sans Lugans, franchement, ils sont hyper doux. Franchement, c'est. Ah oui, c'est. On va faire de l'ASMR. Ah, je te jure, je pourrais m'endormir comme ça. Ah, carrément. Donc ils sont vraiment, voilà. Et alors, je sais pas si vous voyez les manches. Ils sont, voilà, style licorne. Style licorne. Donc voilà, on a je sens le que t'as petit, le moyen.
En rouge, ça pourrait être pas mal non plus pour Halloween. Très drôle. Encore un autre. Celui-ci qui est en forme de biseau. Très bien pour le blush. Voilà. Je peux pas m'empêcher de faire le pitre. Ah oui, ça. Celui-ci qui est en forme rond. À mon avis, plutôt pour tout ce qui est contourning, je pense. Mais je sais pas si ils ont vu en fait les... oui, quand même. Les, oui, poils, oui, les poils les sont poils colorés. Sont quoi. Colorés bah, pour faire le style licorne. J'aime les licornes. petit. Moi, moche voilà. Et méchant. Donc, et je ferai une comparaison quand je vais, quand je vous montrerai celui que j'ai acheté chez Wish, qui n'a rien à voir, vraiment. Non. Vraiment, je vous assure, ça n'a strictement rien à voir. Il vaut mieux mettre le prix un peu plus cher dans des pinceaux qui sont intéressants. Voilà pour le pinceau que j'ai acheté licorne. Chez Licorne. À toi, Kegan, qu'as-tu trouvé ? Bah dans le même style, rayon maquillage, on a petit sapin. Qui blinder. En fait n'est pas réellement sapin, c'est... comment on t'a dit que t'appelles ça ? Un blinder. Un blinder pour se maquiller en forme de sapin. Voilà. Qui est tout mou, tout doux. Tu suppose que vous faites comme ça ? Oui. Voilà. À force de le voir hein, dans la salle de bain pendant des heures. Interminable. Enfin. Et il faut avouer, nous on sort avec des cernes, nos traits tout burinés. Ah non, je suis désolée. Il existe des soins pour le visage, pour les hommes. Oui. Mais ça ne passe pas par Ricil, du blush, du fond de teint, du rouge à lèvres. Par contre, il y a eu des poudres libres que d'ailleurs c'était le couturier. Allez, comment est-ce qu'il s'appelait ? Ah là là, très connu. Très connu celui qui. Mais toutes qui les personnalités fait... qui passent en caméra, etc., font des maquilleurs, non. Mais. Celui qui a fait le parfum Le Mal, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, oui. Il a sorti. Effectivement. Il a sorti une gamme de maquillage homme et surtout. J'irai voir, il faut faire un crash test de ça. Ah, oui, à mon avis, c'est cher. Enfin, bon. C'est un poudre, de la poudre spéciale pour mettre sur le visage pour les hommes. Il a fait un truc spécial avec le pH masculin, etc. Il a vraiment. Ouais, ouais. Ça paraît que c'est pas ce lien, mais ça date hein, maintenant. Il y a déjà un moment que ça a été. Alors, produit suivant. Alors voilà, oui. En passant, j'avais trouvé ce que je voulais trouver. Et en passant, j'ai vu cette petite palette qui est trop mignonne. C'est on la Body. On dirait un carnet de notes. Un peu vintage, comme ça. C'est la Body Collection England, la Vintage Bouquet. Voilà. Buquette. Bu ou bou? Bouquette. O-U? Bouquette, oui. C'est comme un bouquet de fleurs. Vintage bouquet. In the nude eyeshadow palette. Voilà. Ouh, avec un beau miroir, on va encore voir notre caméra. Voilà, donc on a un miroir. Et on a ici tous les tons nudes, comme ça, voilà. Avec un petit pinceau en dessous. Voilà. Je l'ouvre pas parce que je vous ferai la revue d'ici peu. Vraiment, voilà. Voilà. Vous pouvez nous le dire en commentaire, oui, beaucoup de voilà. Par contre, il faut savoir que ça a été développé en Angleterre. C'est, voilà. Et ça a été les animaux, donc Agency Animal Testing. Donc il n'y a pas eu les animaux, enfin comment dire. Il n'y a pas eu de test sur de les test animaux. Sur que les ça animaux. Dit. Voilà. On n'a pas pris des chats. Je vais faire un peu. Pour leur mettre de la poudre. Mauvaise. Arrête un peu. Voilà, donc il n'y a pas eu de test sur les animaux. Donc ça, ça peut imagine être une souris un maquillée. Non. Faut la prendre blanche parce que noir, ça se verra pas beaucoup. Gugans. Ah oui, c'est vrai, il me reste un produit. Le plus important de tous, le dissolvant à ongles. Eh oui. Et donc c'est Midou pour tous les types d'ongles. C'est de la marque Diadermine. Et sans acétone, bien sûr. De la marque Diadermine. Qui sent si bon quand on a passé son temps à enlever son vernis après.
J'aurais pas dû. Pourquoi l'ouvrir? Et alors, ensuite, pour le dernier article... C'est Marie-Lou. Oui, d'accord. Mais attends, je la présente. Attends, je la tiens. Donc, voici... On dirait les boîtes de parfum pour hommes. Voici The Glambox, la W7 de chez D. W7, pas WD40 pour les hommes qui regardent. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Il y a trois palettes bien distinctes. Et on a la présentation des gammes de couleurs. Voilà, juste derrière, on a la présentation de toutes les gammes de couleurs qui sont ici pour la Night, ici pour la Color Mi Nude et la Color Mi Buff. Buff. Buff, ouais. Hein, pas buff. Où tu es pour l'ouvrir? Tu ne m'abîmes pas mon coffret. Merci. Je garde la... Non, je dégueule, je ne me maquille pas. Ils sont bien rangés. Oui, ça a l'air. S'il vous plaît, mademoiselle. Alors, voici la Midnight Smoke Shade Ice Color Palette. Donc, je vais bouger les petites lignes. De toute façon, quand on fera la revue, on n'en aura pas besoin. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est bleu nuit, la Midnight. En fait, c'est trois gammes en fait, pour trois maquillages différents. Ça, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, elle est bleu nuit comme ceci. On a derrière les gammes de couleurs qu'il y a. Donc, nous avons la Birthday Girl, la Puka, la Princesse, la Magic 8, la Hot Pickles et la Boom. Donc, voilà pour les couleurs. Ensuite, le packaging est super. Franchement, rien à dire. On dirait mes anciennes boîtes à... Allez, décolle. Je savais que t'allais sortir ça. Ben non, mais c'est bien. Alors voici comment est-ce qu'elle est présentée à l'intérieur. On a six couleurs bien distinctes dans les tons de mauve, je dirais. Les gammes de mauve, voilà. Pour la Midnight. Et je pense... Comme je vous ai dit, on fera une revue de tout ceci. Dans très peu de temps. Il a fallu que je compte. Bah oui. Alors, voici pour la couleur mi-nude. Alors, justement, on déshabille la boîte. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un ensemble de 12 couleurs. Toutes des tons nudes. Voilà. Je sais pas si... Ce sont tous des tons nudes. On a un petit pinceau assorti. En général, je sais pas si vous l'utilisez, moi j'utilise pas trop, mais bon voilà. On a le petit embout en caoutchouc là, comme ça, qui va là. Et on a le petit pinceau ici, pratique quand même, si on veut faire une petite retouche et qu'on n'a pas de quoi sous la main. Donc voilà. Il n'y a pas de miroir dans celle-ci. Comme ceci, non. Donc, mais il y a peut-être moyen, vu la boîte, il y a moyen d'incruster un miroir dedans. Juste à l'arrière, nous avons toutes les couleurs qui composent la Color Mi Nude. Nous avons Latte, Angel, Venise, Marilyn, Copper Pot, Sun Kissed, Alice, Bad Manners, Coffee Cup, Mud Slide, Tokyo et Fashionista. Ce sont les couleurs qui composent cette palette. Donc voilà. Ensuite, Gans. On a la Color Mi Buff. Voilà. Ouh. La crayon qui est parti. Enfin, c'est pas le crayon, non, c'est compris. D'accord. Qui est composé de 12 aussi, celle-là. Oui. Ah, 12 aussi. Donc ici, on a la couleur Mi Buff, composée de 12 couleurs différentes aussi. Je vais dire, la boîte est superbe aussi, dans les tons un peu irisés, c'est super joli. Hein. Et alors les tons à l'arrière, ils sont ici. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Et nous avons le ton Buff, Camel, Sand, Dust, Chocolate, Topaz, Earth, Stone, Silk, Wave, Thunder et Onyx. Ce sont les couleurs qui composent la palette Color Mi Buff. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, ce haul est terminé. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et de ceux que vous aimez. À très bientôt. À très bientôt.
est ici ou ici que vous pouvez cliquer pour voir notre vidéo précédente. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les petites notifications sur le haut de votre écran, c'est symbolisé par la petite cloche. Ceci vous permettra justement de recevoir toutes les notifications par rapport à notre chaîne. Et aussi, vous pouvez nous laisser en commentaire ce que vous voulez comme votre vidéo.